Ouais, c'était important parce que bon, on avait repris la tête. C'était la première fois qu'on était leader cette année. Et il fallait confirmer, il fallait pas faire de faux pas pour bien s'engager sur les trois derniers matchs. Oui, mois d'avril très compliqué, surtout après l'élimination de la Gambardella sur les demi-finales, avec tout ce qu'ils ont engrangé comme effort depuis le début de saison entre la Youth League, des matchs de haut niveau en Gambardella contre Lyon. Et puis là, tout s'écroule d'un coup, donc c'était plus mental que physique. Et on a eu la chance de pouvoir enfin avoir une semaine de vacances pour les laisser rentrer chez eux. Et à partir de là, c'était bien de repartir avec la tête fraîche. Ouais, donc il reste, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de faux pas à faire, même si on a la possibilité, si on a un joker. Mais je veux dire, on se doit de faire le maximum dès la prochaine journée pour se mettre à l'abri le plus vite possible. Oui, favorable. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde sur nous, il faut qu'on retrouve nos vertus. Voilà, on a un match important dimanche contre Toulouse. Et à nous de finir le travail, voilà. Ouais, c'est vrai que y a eu un début compliqué, mais surtout, moi je retiens l'état d'esprit des garçons parce qu'il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits justement pour toujours rester juste derrière cette équipe d'Alès. Par moments, on a été décroché, mais bon, on n'a pas lâché, on a su revenir, on a su faire un match intéressant là-bas chez eux. Et je pense que ça a été le tournant parce que bon, ils ont pris un coup aussi derrière la tête par rapport à ce match-là. Et après, nous maintenant, c'est vrai que là, on est leader et on va essayer d'assumer ce statut jusqu'à la fin. Voilà, la revanche, je pense que les joueurs vont l'avoir. Maintenant, il ne faut pas s'égarer, il faut rester dans un match de 3 points qu'il faut absolument gagner. Voilà, après, il y aura certainement de la révolte, bien sûr. Ouais, c'est un groupe élargi qui comprend quelques garçons du groupe U19, les garçons du groupe National 3, plus les jeunes pros qui redescendent. Donc la force ça a été de faire jouer ces trois générations pour un collectif et de les faire jouer ensemble. Quand on prend du recul, on pense à beaucoup de choses. On pense surtout sur les trois dernières années, ce qu'on réalise et on a envie de continuer sur cette dynamique. Maintenant, essayons de finir déjà premier. Voilà, et après ça sera un ou deux matchs coup près. Donc faisons les choses dans les temps. La saison elle est exceptionnelle. Maintenant, faut la finir aussi par rapport à tous les efforts qu'ils ont fournis, il faut la finir le mieux possible. Et le mieux possible, c'est de finir champion.